Cette convention avec l'AHS a été signée en juin 2012 et elle est toujours d'actualité, on y travaille toujours. Il y a quatre axes qui ont été dégagés. Un premier, c'est d'améliorer la qualité des soins. Et il y a deux sous-thèmes dans cet axe-là. Un premier sur les troubles respiratoires du sommeil. Et ça, c'est un thème sur lequel on travaille depuis longtemps avec la HAS. Et le point était d'intégrer dans le dossier syndrome d'apnée du sommeil qui a été élaboré dans le cadre de l'Observatoire du sommeil de la Fédération d'ophtalmologie, observatoire qui regroupe maintenant plus de 60 000 dossiers. Donc c'est quelque chose d'assez exceptionnel et qu'on va pouvoir exploiter sur un plan scientifique. Et donc dedans, on a intégré des indicateurs élaborés dans le cadre des recommandations. Recommandations élaborées par la Société d'ophtalmologie de langue française. Donc le deuxième sous-thème concerne la BPCO et les exacerbations de BPCO. Et donc là, c'est sur la pertinence des soins et c'est un travail qui est en cours. On doit avoir des réunions prochainement. Il y a une réunion qui est organisée par le syndicat de l'appareil respiratoire, une autre qui est organisée par la SPLF. Et puis enfin, une réunion de synthèse qui aura lieu le 8 juin, qui rassemble l'ensemble des participants pour discuter du parcours de soins et de voir comment on peut l'actualiser. Donc ça, c'est un premier axe qui est conséquent en termes de travail. Le deuxième, ça concerne la gestion des expertises. Nous sommes sollicités de façon régulière par la HAS pour donner des noms d'experts, que ce soit pour des groupes de travail, pour la relecture de dossiers. Et donc, il faut qu'on organise en fait cette expertise. Et on va très bientôt mettre à disposition des pneumologues un annuaire. Et dans cet annuaire, il y a un module qui nous permettra de recenser les expertises. Donc ça, c'est un point qui est en cours et qui n'existe pas actuellement, mais qui va incessamment être mis en place. Le troisième point, c'est de gérer les avis de la spécialité. Alors là, c'est vraiment un travail qui est commun avec la Société d'ophtalmologie de langue française, qui jusqu'à maintenant organisait, élaborait les recommandations de pratique clinique. Et donc, on va continuer à travailler ensemble pour voir comment on gère les avis à donner sur la meilleure prise en charge des patients souffrant d'une pathologie respiratoire. Le dernier point, ça vous surprendra, c'est de promouvoir le développement professionnel continu. Et donc, c'est quelque chose qu'on a évoqué déjà ensemble et qui est vraiment un point sur lequel on travaille en ce moment.